Salut, c'est Chris. Salut, c'est Margot. Salut, c'est Maë. Alors, un petit message pour vous dire de la part de l'école de décadence qu'on a besoin de vous et de vous tous pour nous aider à passer cette période un peu difficile et exceptionnelle. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, mais si ça continue comme ça, ça va commencer à... Pour nous aider à payer ce qui est plutôt les charges de l'association, puisque les profs, on a l'aide de l'État, donc il faut juste soutenir la sauce pour qu'elle continue à vivre. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une cagnotte Litchi pour être avec vous, avec tous ceux qui ont envie de soutenir la sauce et de nous aider. On fait ça aussi parce que Décadence est engagée à rembourser tous ses élèves, enfin, sauf ceux qui ont souhaité faire un don et qui nous l'ont donc laissé dans la cagnotte Litchi. L'idée, c'est que... chacun participe un petit peu, on vous demande pas des gros montants. Chacun se mobilise et chacun donne 1 euro. Et peut-être que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, si on arrive à atteindre un panel de 1000 personnes, bah ça nous suffira peut-être déjà à au moins payer les charges et à faire perdurer l'assaut. Bah oui, hein. 1 euro, 1000 personnes, 1000 euros. 1000 euros. Voilà, c'est ça qu'on aimerait. On n'a pas fait maths P, mais ça va. C'est rien, 1 euro. Alors allez-y. On a besoin de vous, merci. Bisous. Bisous. Merci. Quoi, sauver les cadences? Parce que Décadence, c'est notre vie, c'est notre passion. C'est un art de vivre et moi, mon art, c'est la danse. Et Chris, elle s'est battue pour construire cette association. Alors maintenant, on se bat contre le coronavirus. Eh bien, faut se battre pour nos passions et nos rêves. Et la danse, ça nous permet de nous exprimer. Et là, je vous fais cette vidéo pour m'exprimer et pour vous dire qu'il faut sauver notre association. Et Décadence, c'est notre association de cœur et on veut vous faire vivre et rêver aussi dans nos spectacles avec Maë, Chris et Margot. Merci beaucoup. Et donc, ne serait-ce qu'un petit euro, ça nous ferait beaucoup de bien. Alors, prenez soin de vous et sauvez-nous. La danse, ça me manque beaucoup. J'aimerais bien faire toute la danse. Et tout ça parce que ça me manque trop la danse. C'est trop bien, Décadence ? Oui. Sauver Décadence, c'est important. Être Alice, encore un peu, encore un instant, de temps en temps, pouvoir s'échapper, pouvoir rêver, pouvoir danser, faire ce que l'on veut, et surtout, changer de costume, et se jouer du temps. Sauver Décadence ! Alors, pour moi, la danse, c'est plus qu'une passion. C'est mon métier. Ça l'est devenu en partie grâce à Christelle et à son enseignement, grâce à tout ce qu'elle m'a transmis, à son énergie, à sa capacité à voir grand. Elle m'a donné le courage d'aller toujours plus loin et de m'engager dans ce parcours du combattant. Christelle, c'est quelqu'un qui a su rallier beaucoup, beaucoup de gens, qui a créé une famille. Décadence, c'est clairement ça. Et c'est juste impossible pour moi d'imaginer que ça puisse s'arrêter un jour parce que ça fait partie de beaucoup d'histoires. Ça rassemble. C'est un endroit où on se sent bien. C'est un endroit où on danse mais où on vit aussi beaucoup. Pour rien au monde, on pourrait priver les gens qui aujourd'hui participent à ce grand projet. Tous les ans, ces grands galas qu'on voit d'ailleurs nulle part ailleurs. On ne peut pas priver les élèves de Décadence, ni de Christelle, ni de danser. Donc pour tout ça, faisons un geste, aussi petit soit-il, il comptera toujours. C'est toujours mieux que rien. J'embrasse toutes les décadenceuses et j'embrasse surtout ma Chris, que j'aime à la folie. Pourquoi sauver Décadence? C'est une question tellement simple et compliquée à la fois. Décadence, c'est une grande famille dont j'ai fait partie pendant plusieurs années. Et je pense que si ce bip de coronavirus venait à faire du mal à Décadence, on perdrait une grande famille. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, Décadence pour moi égale famille. Une famille en tout cas qui fait toujours partie de moi, de mon cœur. Donc gros bisous à tous. Il faut qu'on sauve Décadence. Parce qu'on forme une deuxième famille. Et c'est notre raison de vivre. Il faut sauver Décadence parce que c'est une super association de danse. Et la danse, c'est de l'art et en ce moment, il y en a vraiment besoin, ainsi que la culture. Et parce que aussi, c'est géré par des superbes femmes fortes, indépendantes, hashtag sororité. Et du coup, il ne faut pas laisser ça tomber. Bisous. J'adore Décadence, c'est un super club de danse.
La danse, moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Et à Décadence, on a des super profs et il y a une super ambiance. Les profs, elles sont drôles, sympas et on se régale. Alors, danser dans son salon, ça va bien un temps, ça va vite saouler les voisins aussi. Et puis, aller à la danse, aller à Décadence, c'est pas simplement danser, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire c'est la bulle d'air dans la semaine. On décroche, on oublie, on se défoule, on retrouve les copines et c'est essentiel. C'est voilà, on a notre semaine de boulot et on en a besoin, on en a vraiment besoin. À Décadence, je retrouve mes amis, je danse bien sûr et surtout je m'éclate. L'ambiance est top, on passe de très bons moments ensemble. Décadence m'a permis de découvrir plusieurs danses. Les spectacles sont magnifiques. Surtout les costumes et décors. Et les thèmes, ils sont oufissimes. Il faut sauver Décadence car c'est une école qui nous a transmis la passion de la danse. C'est une grande famille et qu'on y a vécu des moments inoubliables. Pourquoi faut sauver Décadence? Parce que Décadence, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur, c'est la famille, c'est l'amour, c'est de gros fous rires, beaucoup de foutage de gueule aussi, beaucoup de partage. Et voilà, et Décadence, c'est que des bons moments en fait. Même pour les enfants, pour la famille, tout le monde s'éclate et tout le monde est toujours content de revenir à Décadence. Donc il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on puisse partager ensemble. Et voilà, je vous embrasse toutes les filles. Vous me manquez beaucoup. Bisous, bisous. Le Covid, il veut venir nous embêter, mais nous, on n'arrêtera jamais de danser. Ici à Déca, on n'abandonne pas. Chris, Margot et Maillet, elles vont jamais nous lâcher. On est des warriors, alors Coco, tu peux rester dehors et vive Décadence! Coucou Décadence, c'est Julia avec ma mère. Salut! J'ai pas envie que Décadence ferme parce que j'aime bien danser et vous êtes tous des profs géniales. Au revoir, bisous! Ouais, vous êtes au top, franchement, changez rien, il faut vraiment pas que Décadence ferme, il faut vraiment faire en sorte que vous continuez et on sera tous là. À très vite! À très vite! Alors, que m'apporte Décadence? Décadence, ça me permet de me défouler. C'est mon soin pour l'âme, en fait, depuis que j'y vais. C'est super libérateur pour moi. C'est un moment d'évasion et j'aimerais que ça continue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une énergie qui se développe dans le groupe phénoménale. Une bienveillance de la part de nos profs, des autres élèves, tout vraiment une super ambiance. Et ça serait vraiment dommage que ça s'arrête comme ça. Donc, vive Décadence et pourvu que ça continue et que le confinement et que cette crise sanitaire ne nous achève pas. Voilà, merci à vous. Sauvons Décadence pour continuer à former plein de beaux souvenirs. Tous ensemble, nous devons sauver Décadence pour continuer à danser, s'amuser, se dépenser, tout ça en étant avec nos amis. Décadence, c'est pas juste une école de danse, c'est aussi une deuxième famille pour nous les élèves. On fait de magnifiques spectacles, on a des profs juste incroyables qui nous font apprendre et partager leur passion. Donc n'hésitez surtout pas à participer à cette cagnotte pour pouvoir sauver notre école de danse, pour qu'on puisse continuer à pratiquer notre passion et à vous faire vivre tout ça à travers nos spectacles. Sachez qu'en participant à cette cagnotte, vous nous aidez pas seulement à sauver notre école de danse, mais aussi à conserver la famille qu'on a réussi à construire au fil du temps avec tous les souvenirs et les fous rires, malgré les quelques petites embrouilles qui arrivent de temps en temps dans une famille. Donc au-delà de la danse, aidez-nous à sauver notre famille. Décadence, ça me manque beaucoup parce que je peux pas me déguiser en femme, mettre des talons, des tutus, enfin des tenues extravagantes avec tous mes copains et faire le con sur la scène. Donc Décadence, faut vraiment, vraiment, vraiment que ça reste. J'aime bien de faire de la danse, de faire des spectacles. Ah ouais? Et toi Paco, t'aimes bien la danse? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien danser. Et toi papa, pourquoi t'aimes bien la danse? Il faut pas que ça s'arrête? Parce que le vendredi soir, quand il y a la danse, moi je peux regarder mon match de foot peinard. Alors, faut sauver Décadence, parce que la danse c'est notre passion, on n'a pas du tout envie d'arrêter d'en faire. Ensuite, on a des amis à Décadence qu'on voit pas forcément à l'extérieur des cours de danse. Et les profs ils sont tellement géniaux qu'on n'a pas du tout envie d'arrêter de les voir. Et les cours ils sont trop 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 bien. Voilà, on aime trop Décadence et sauver Décadence.
Au-delà du fait qu'on y aille pour pratiquer notre passion qu'est la danse, Décadence, c'est aussi notre deuxième famille. C'est là où on se fait nos best copines, c'est là où on se tape nos plus gros fous rires. On se fait des souvenirs merveilleux dans cette salle de danse. Alors s'il vous plaît, sauvez Décadence. Pourquoi il faut sauver Décadence ? Ben, parce que Décadence, c'est une couleur, un univers de la bienveillance, des professionnels, de l'énergie, beaucoup d'amour. Décadence, c'est une grande famille. Quand on arrive et qu'on pousse les portes, on se sent happé par tout cet amour, toute cette gentillesse. Jamais de jugement. Toujours, toujours, toujours dans la bienveillance. C'est un peu magique, hein, voilà. C'est un peu magique. C'est des gens qui se donnent beaucoup, beaucoup pour ce qu'ils font. C'est un lieu à part où il fait bon vivre, où ils font bon aller. Et quand on quitte Décadence, on se sent plus léger de ses soucis, plus léger du quotidien, plus léger de tout ce qui peut nous peser sur le moral. Et surtout, on se sent rempli, rempli de joie, rempli de fou rire, rempli d'énergie, rempli d'amour et de bienveillance. Voilà pourquoi il faut sauver Décadence. J'aime Décadence parce que les profs, elles sont super cool. Salut Chris. Salut. Bon, bah, je viens de saouler jusqu'à une vidéo. Hein. Non, plus sérieusement, moi, c'était pour te dire que j'avais passé 5 années merveilleuses à la danse. Ça m'a permis de m'épanouir. Et tout le stress qu'on a pu avoir au spectacle et tous les spectacles magnifiques qu'on a pu faire, hein, qu'on se le dise, j'espère qu'on va pouvoir sauver Décadence. Oui, moi, je voulais te dire, Christelle, franchement, j'espère que ça va continuer encore très longtemps. Parce que bon, j'étais depuis mes 5 ans jusqu'à mes 17 ans, je crois. Donc j'ai bien stagné, donc je peux bien dire que c'était vraiment de la frappe atomique Décadence. Donc s'il vous plaît, on donne du courage à Chrisou et plein de bisous. Des bisous. Pourquoi il faut donner à Décadence ? Tout simplement parce que ça fait 20 ans que Christelle et les bénévoles de l'association donnent à leurs élèves et au public. Elles donnent leur temps, leur talent, leur patience, leur énergie, leurs encouragements. Et il me semble normal qu'à leur tour, elles puissent recevoir de la solidarité dans cette période de crise sanitaire. Et il faut que l'aventure continue. Je trouve que ce serait important de sauver Décadence, car tout d'abord, ce n'est pas juste un sport. C'est aussi un endroit où l'on peut créer des liens d'amitié, mais aussi où l'on s'amuse tout en dansant. Décadence, c'est aussi une famille, car on s'aime et on s'entraide entre nous. On rigole aussi beaucoup. Donc s'il vous plaît, pourriez-vous faire un geste pour mon école de danse, car c'est très important pour moi d'y retourner. Merci. Nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est que la danse, ça nous manque. Soutenez Décadence. Nous, on vit pour ça.